Merci Monsieur le Président, merci Madame le Ministre. Vous dites très justement dans votre programme qu'il est nécessaire de récompenser les agriculteurs pour des services environnementaux. L'amélioration du revenu des agriculteurs doit être défendue. Concrètement, quelle forme cela pourrait-il prendre? Cela viendrait-il s'ajouter aux éco-régimes? Par ailleurs, une étude américaine a récemment publié des projections inquiétantes sur les conséquences économiques du Green Deal pour la production agricole européenne à l'horizon 2030. Manœuvre ou pas, êtes-vous prête à faire pression sur la Commission pour obtenir une étude d'impact, des chiffres précis, afin d'y répondre? Enfin, comment allez-vous concilier les objectifs de la stratégie de la ferme à la table avec des traités de libre-échange moins disants dans tous les domaines de l'environnement, de la santé et du bien-être animal? Est-ce que vous soutiendrez les négociations avec le Chili, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Indonésie? Je vous remercie.